Stop. L'équipe infernale. Porte-nous Bosco sur la cale 3. Bien, commandant. Alors, Angelotti, ça vient? Voilà. Redoutante, mon vieux. Allez, rapprochez ta lumière sur le taquet. Bon. Viens les voir, commandant. On ouvre la cale 4. Vous informez? Oui, des juifs pour la Palestine. Ça peut donc pas rester en place, ces gens-là. C'est pas leur faute, personne n'en veut nulle part. Faut bien qu'ils aillent ailleurs. N'ayez pas peur, madame. Descendez les bagages. Le nom? Allez, allez. Il manque 42 000. Il y en a deux qui n'ont pas pu venir. Ils ont changé d'avis? Non, ils ont clamé. Ils t'avaient payé avant. Pas moi. L'agence. Tu me dégoûtes, tu aimes trop le fric. Mais avec ça que vous y crachez, vous, sur le pognon. Non, écoutez-moi, capitaine, nous sommes du même bord. Alors la seule différence, c'est que vous, vous vous prenez pour le monsieur et pas moi, voilà. La différence, c'est que s'il y a un coup dur, c'est pas toi qui boiras la tasse. Il faut le camp, hein. Allez, sans rancune, à Bouscat. Pas le brise. Tu vas la revoir, ta maman, t'as 10 ans, tu vas plus. Non. N'ayez pas peur, madame, je suis là. C'est trop vrai, ce mur. Dégagez par là, madame. Ma kleine Mabel. Ma kleine Mabel. Tiens, veille l'amour. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Attention, tout. Is very ill. She's expecting a baby. One moment. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Voulez-vous sortir tout de suite? Et plus vite que ça. Allez, passez par là. Amen.
hein. Tu as amené de quoi lire, en tout cas, hein? Du lard pas frais, si vous voulez. C'est plein de pinottes. T'as besoin de ça, à ton âge? Alors, activez. La porte à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais bien le savoir. Et d'où est-ce qu'ils sortent? De la cale 4. Hein. Je les ai pêchés derrière les diverses. Au nom de Dieu, de bon Dieu, vous avez bien besoin de deux passagers, ce coup-ci. Qu'est-ce que vous foutez à mon bord, hein? Comment t'appelles-tu? Fais voir tes papiers. J'en ai pas. Tu as un nom, quand même. Ah, ils sont beaux, vos clandestins, Pascal. Mes compliments. Quand êtes-vous monté à bord? La nuit. Bravo, monsieur Pascal. Ah, c'est du joli. Alors, votre homme le coupait où il était? Il ronflait, il était saoul? Pendant ce temps-là, tous les voyous du port se répandent dans mes cales. Ça ferait bien sur le livre de bord, hein, putain de sort. Et toi, la fille, t'as pas de nom, toi? Hein? T'as pas de papier, toi non plus. Ça vous ferait bien d'être poli avec mademoiselle, oui? Mademoiselle, je t'en fous le trait de mademoiselle. D'abord ici, quand c'est moi qui parle, on la boucle, t'as compris? Je suis le commandant et tu t'en apercevras. Mais si vous voulez pas qu'on vous réponde, posez pas de questions, alors. Pas besoin de tout vous mensonger, hein. Je vais vous regarder pour comprendre. C'est du propre. Avec quel argent vous êtes-vous sauvé? Hein? Et vos parents, j'en foutais qu'ils se fassent du souci pour vous. Seulement, la vie, c'est pas comme dans les romans. Ça vous coûte cher, votre voyage de noces, bourreau de petit malhonnête. Vous n'allez pas nous envoyer? Mais commandant, on va vous ramener à la Joliette avec la fanfare, hein? Justement, on a que ça à faire. Par exemple. Vous appelez Robert de Grieux, n'est-ce pas? Et elle, hein? Manon. Manon comment? Lescaut.